Chez CD Projekt Red, notre but a toujours été de vous embarquer dans des aventures à la fois légendaires et ancrées dans la réalité. De vous raconter des histoires où une magie puissante, des créatures fantastiques et des prophéties ancestrales se mêlent aux enjeux du fanatisme religieux, des crimes de guerre et même du racisme. Vous avez vu ses oreilles ? C'est une elfe. Cet objectif, nous l'avons atteint avec notre projet le plus ambitieux à ce jour, le monde ouvert de The Witcher Wild Hunt. Bienvenue, voyageur. Viens donc te pinter avec moi, sac à vin. Les royaumes du Nord forment un vaste continent parsemé d'avant-postes isolés, de villages tranquilles et de villes animées incroyablement riches. Dans ce paysage varié, vous pourrez chevaucher dans des vallées escarpées, naviguer en haute mer et explorer des temples oubliés. Cependant, ce territoire est en proie au conflit. La haine raciale engendre souvent la violence, et la guerre entre les puissants a arraché les gens à leur foyer. Pire encore, un fléau se propage. Les monstres. Ils infestent la campagne, se reproduisent dans les égouts, règnent sur la nature et attaquent les caravanes des marchands. C'est là que vous intervenez. Maudit sorceleur. J'aurais dû m'y attendre. Vous incarnez un sorceleur, un tueur de monstres doté de capacités surhumaines grâce à des mutations. Les sorceleurs sont souvent réprouvés, mais tout le monde a besoin de l'aide d'un professionnel. Blood Glewy, c'est un vampire. Mais déjà en 1358 ? Non. Allez vous faire foutre alors ! Nous avons fourni de gros efforts pour que les mécaniques de jeu se fondent parfaitement dans l'environnement. Le comportement et les tactiques des monstres changent en fonction de l'heure ou du terrain. C'est ce qui déterminera souvent votre statut de chasseur ou de proie. Si vous nettoyez une zone de ces monstres, vous verrez les gens s'y installer et transformer des endroits dangereux en lieux d'échange où vous pourrez acheter et vendre de l'équipement. Des centaines d'améliorations d'armes et d'armures vous attendent. Mais c'est votre façon de combattre qui fera la différence. Développez vos compétences à l'épée pour obtenir des coups spéciaux. Misez sur l'alchimie et cueillez des herbes rares pour créer des potions et des bombes. Ou maîtrisez les arcanes des signes magiques pour éliminer vos ennemis en un clin d'œil. Elle est de retour, Geralt. Après toutes ces années... Dans The Witcher Wild Hunt, vous acceptez le plus grand contrat de votre vie. Retrouvez l'enfant de la prophétie. Une arme vivante capable de façonner le monde. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. Bien que tueur professionnel... Des sorceleurs ? Vous pouvez décider du genre d'homme que vous serez. Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Préférez votre côté humain ? Une tournée générale, ça vous tente ? Cusec ! Ou vivez en professionnel sans cœur, ayant sa propre vision de la justice. Hors de ma vue, ou je vous tue tous. Et regardez le monde brûler. Quel que soit votre choix, vous trouverez ce que vous cherchez dans les royaumes du Nord. Course de chevaux, beuverie, le grand amour ou les plaisirs charnels. Partie de cartes, rixes, sites d'énergie mystique, trésors oubliés et autres rituels anciens. Menez votre propre aventure dans le monde fantastique le plus réaliste de notre époque. Bienvenue dans The Witcher Wild Hunt.